caché au reste du monde comme un secret bien gardé, l'Australie, le pays aux antipodes, s'est révélé dans toute sa splendeur au début du XXe siècle. C'est un paradis pour ceux qui y vivent, une grande évasion pour ceux qui viennent profiter de ces paysages immenses et magnifiques. International Video Network vous invite à découvrir en images ce grand continent du Sud qu'est l'Australie et dont nous allons dérouler les secrets. L'Australie est un pays de contraste où s'oppose le bleu turquoise des océans Indien et Pacifique qui baigne la plus grande île du monde et l'enfer brûlant du cœur du pays, le Outback, le pays sec. Le pays aux antipodes, une expression qu'on donne à l'Australie en référence aux saisons inversées par rapport à l'hémisphère nord, a la particularité d'être le plus vieux, le plus sec et le plus plat des continents. Il compte 16 millions d'habitants et a une superficie à peu près équivalente à celle des États-Unis. Traversé en son milieu par le tropique du Capricorne, il est bordé de près de 20 000 km de côte. C'est aussi le dernier continent à avoir été découvert et exploré. Le navigateur hollandais William Jans l'a découvert en 1606. Mais ce n'est que 164 ans plus tard que le fameux capitaine James Cook a pris possession de la partie orientale de l'Australie pour le royaume britannique. Cook a quitté l'Angleterre en 1768 à bord d'un navire baptisé l'Effort. Il est arrivé en vue de la pointe sud-est de l'Australie, point X, le 20 avril 1770. 9 jours plus tard, son navire jetait l'ancre dans une large baie au sud de Sydney. Les explorateurs l'ont appelé Botany Bay, en raison de la végétation qu'a trouvé là le botaniste du bateau, Joseph Banks. Le navire de Cook a poursuivi sa route au nord, vers la pointe du continent. Et c'est là que Cook a planté le drapeau britannique et pris possession de l'Australie. Cook a appelé cette côte orientale Nouvelle-Galles du Sud. En dépit de ce que Cook demandait, l'Angleterre choisit d'ignorer l'Australie jusqu'en 1776. À cette époque, l'Angleterre devait faire face à une grande pauvreté qui entretenait une généralisation des délits et des vols. Les petits crimes étaient sévèrement punis et les prisons furent bientôt surpeuplées. On cherchait désespérément des nouveaux espaces pour les prisonniers. Le Parlement anglais accepta finalement l'idée d'envoyer les prisonniers en Australie, où ils purgeraient des peines de travaux forcés. Leur tâche devait consister à construire des routes et des maisons pour la nouvelle colonie australienne. La première cargaison de criminels arriva dans le port de Sydney le 26 janvier 1788. Les Australiens sont fiers de cet unique héritage. Ils comparent souvent leurs ancêtres aux révolutionnaires séparatistes qui ont construit l'Amérique. Ce passé a donné aux Australiens un esprit de persévérance. Et comme leurs ancêtres, ils attachent la plus grande importance à leur liberté. 200 ans plus tard, le Commonwealth d'Australie, très autonome par rapport à l'Angleterre, est composé d'une fédération de 6 États et d'un territoire, comprenant les Nouvelles-Galles du Sud, la Tasmanie, Victoria, l'Australie du Sud, l'Australie occidentale, Queensland et le territoire du Nord. Le plus ancien des 6 États est celui des Nouvelles-Galles du Sud, qui se place au 4e rang pour sa superficie, mais en tête pour la densité de sa population. L'essentiel de la population vit à Sydney. Sydney est une métropole prospère de près de 4 millions d'habitants. C'est sans aucun doute la ville australienne la plus connue du monde. Que ce soit pour son opéra renommé, Harbour Bridge, son point central ou le quartier historique des Rocks, Sydney est vraiment la Mecque de l'Australie. Les visiteurs sont d'abord séduits par le paysage à vous couper le souffle que l'on a du port près de Harbour Bridge sur la rive nord. Où que l'on soit ou presque, on peut voir l'opéra dresser majestueusement son architecture étonnante. Dessiné par l'architecte danois John Utzon à partir d'un dessin original au crayon, l'opéra a été construit en 1973. Situé à Bennelong Point, son toit original a été dessiné pour évoquer des voiles filant à travers le port de Sydney. C'est de la mer que l'on a sans doute la meilleure vue sur le port. Des ferryboats et des hydrofoils quittent sans arrêt le quai circulaire pour la banlieue balnéaire de Manly. Le long des plages de Manly et Bondi, il y a une multitude de clubs de voile où l'on pratique ce sport qui est ici incroyablement populaire.
L'eau est aussi une des attractions favorites des habitants et des touristes qui se promènent du côté de l'opéra. Les courses de bateaux-dragons se déroulent là le week-end. Et l'on peut les suivre dans de bonnes conditions à partir de Fort Denison, qui fut la première prison de l'île. Avec une moyenne de 340 jours de soleil par an et un climat qui rappelle celui de la Californie du Sud, les activités de plein air sont toujours très courues. En plus de son allure moderne et de ses paysages aquatiques, Sydney compte une multitude de parcs magnifiques. Depuis l'opéra, une petite marche nous mène aux jardins botaniques royaux, qui sont à l'emplacement d'une des premières fermes australiennes. Les jardins qui dessinent un demi-cercle autour de Farm Cove sont remplis de toutes sortes de fleurs d'Australie. Au point le plus élevé du jardin, on trouve la Government House, résidence officielle du gouverneur des Nouvelles-Galles du Sud. Jusqu'à côté des jardins botaniques royaux se trouve le domaine. Le domaine est une étendue engazonnée sur laquelle se trouvent des arbres immenses. De cet endroit, on a encore une autre vue panoramique sur l'opéra et le pont. This country is run democratically. Why don't you stand as a member? How can it be a democratic country when there's injustice against us? Then stand as an independent. Dans la tradition des orateurs de Hyde Park à Londres, le domaine de Sydney s'anime avec des discours sans fin le dimanche après-midi. C'est un forum ouvert à la discussion et les thèmes abordés entraînent quelques controverses. Ah, it's like South Africa. Oh, it is not. It is not at all. How would you be locked in a reserve? They're and not going locked out in. Every day there are no back. Locks on a reserve. I've seen them. Guard. I'm sorry. No locks. You've seen the reserve. There's no locks and at you all. And you worked in a non-Aborigine town? Ask you where he how many Aborigines were working in town live? When you worked where on you away from the... How far is the reserves out of town? And where do you live? La galerie d'art des Nouvelles-Galles du Sud est située à l'est du domaine. Elle expose une très riche collection de sculptures de l'artisanat australien et aborigène. Une visite des parcs serait incomplète sans un tour à Hyde Park, qui doit son nom à ses analogies avec le jardin londonien. On trouve dans le parc la splendide fontaine Archibald. Elle a été dessinée par le sculpteur français François Sicard en l'honneur de l'alliance franco-australienne durant la Première Guerre mondiale. Non loin de là, plus au sud, le mémorial Anzac War est dédié à tous les Australiens qui sont morts dans des guerres étrangères. La première communauté européenne d'Australie s'est établie dans le quartier historique des Rocks. Le quartier des Rocks a été construit par plus de 700 forçats qui sont arrivés à Sydney en 1788. Bien que la plupart des maisons aient été détruites lors d'une épidémie de peste à la fin du siècle dernier, ou rasées pour faire des routes et des ponts, le Rocks reste le grand vestige de la nation. Une partie de ce quartier a été restaurée ces dernières années, et notamment Cadman's Cottage, la plus vieille maison de Sydney. De l'autre côté de George Street, on trouve le Old Sydney Park Royal. Le bâtiment, qui était à l'origine un entrepôt maritime, a été transformé et c'est aujourd'hui l'un des principaux hôtels de Sydney. On a conservé son côté ouvert et aéré, et des chambres luxueuses surplombent l'atrium. L'endroit compte beaucoup de boutiques, de restaurants et d'anciens estaminets, comme le Lord Nelson et le Waterloo Hotel. Chacun d'eux prétend être la plus ancienne taverne de Sydney. Les promeneurs assoiffés remarqueront que la plupart des tavernes s'appellent hôtels à cause d'une loi qui exigeait que tous les débits de boissons aient des chambres à louer. Situé juste au-dessus de Argyle Terrace, le parc de l'Observatoire est l'endroit le plus élevé du Rocks. Le parc de l'Observatoire offre un excellent point de vue sur la partie ouest de la ville et une belle vue également sur le Harbour Bridge. Sydney a un excellent réseau de transport en commun, mais c'est une ville dans laquelle il est difficile de rouler. Il est plus facile de marcher dans le quartier du port, les parcs et les quartiers des Rocks. Les taxis ou le métro sont les moyens de transport les mieux adaptés pour aller dans les zones plus aventureuses comme King's Cross ou dans le voisinage de la seule usine métallurgique de Paddington. À quelques kilomètres à l'ouest de Sydney, s'étendent les forêts sauvages des Blue Mountains. On dit qu'elles doivent leur nom à la couleur de la brume qui auréole leur sommet à la tombée du jour. D'autres disent que cette lueur bleue est due à la lumière du soleil qui filtre à travers les vapeurs des eucalyptus. On compare souvent les Blue Mountains aux Smoky Mountains d'Amérique. En fait, elles sont uniques et leur beauté leur est propre.
Elles ont préservé une vie sauvage très active tout au long des sentiers qui serpentent sur un terrain abrupt, longeant une suite de cascades que l'on appelle les chutes de Wentworth. C'est une promenade à faire en famille, mais à éviter peut-être pour ceux qui n'aiment pas les falaises à pic. Près des chutes, il ne manque pas de beaux coins pour pique-niquer ou se reposer. Non loin des chutes de Wentworth se trouve la ville animée de Katoomba, située à 62 miles à l'ouest de Sydney. C'est le pays des trois sœurs et du téléphérique de Katoomba. Tous les deux très fréquentés par les touristes qui viennent de Sydney pour la journée. À 192 miles au sud-ouest de Sydney, Canberra, capitale de l'Australie. Elle a été construite sur le versant occidental de la Great Dividing Range. La ville, située entre Sydney et Melbourne, est le résultat d'une dispute au sein du Commonwealth. Quand l'Angleterre a accordé l'indépendance à l'Australie, Sydney et Melbourne étaient toutes deux candidates au titre de capitale. Canberra, qui est la traduction aborigène de lieu de rencontre, a constitué un compromis. Aujourd'hui, Canberra compte 300 000 habitants et c'est le siège du Parlement. Autre centre d'intérêt d'une visite à Canberra, la Haute Cour, le Parlement et le National Gallery, qui abrite l'une des plus remarquables collections de sculptures modernes que compte l'Australie. De l'autre côté du lac du Parlement, on peut voir le Mémorial australien de la guerre. C'est l'hommage des Australiens aux 102 000 hommes et femmes qui sont morts en luttant pour la liberté. Le mémorial est ouvert toute l'année, sauf le jour de Noël. Il commémore les batailles des deux guerres mondiales, la guerre de Corée et l'engagement australien lors de la guerre du Vietnam. Les salles du musée présentent non seulement des livres, des journaux, des films et des équipements du temps de guerre, mais aussi des modèles réduits et des maquettes qui décrivent des batailles australiennes comme celle de Gallipoli lors de la Première Guerre mondiale. Canberra se développe à une vitesse folle. Partout surgissent de nouvelles constructions. Si le nombre des immeubles augmente, c'est que le tourisme se développe et que la population s'accroît. C'est une ville attachante, animée, qui a une vie culturelle très riche. Le climat est moins tempéré que dans le reste du pays car la ville est en altitude et à l'intérieur des terres. C'est une ville à découvrir au printemps ou dans ses couleurs automnales. Canberra est une capitale plutôt récente. Elle a été dessinée au début du XXe siècle. C'est une merveille d'architecture. Elle est l'œuvre de l'architecte américain Walter Burley Griffin, qui gagna le droit de dessiner la ville au terme d'une consultation internationale. On doit à Burley Griffin ce côté provincial et champêtre qui imprègne la ville. Le lac qui porte son nom ceinture le centre-ville. À cause du climat plus saisonnier, nombreux sont les habitants de Canberra qui pratiquent des sports d'intérieur, comme le cricket en salle durant l'hiver austral. C'est un sport vif et physique qu'on a d'abord pratiqué dehors durant des années. On a inventé le jeu en salle dans les années 80. Dans toute l'Australie, et Canberra ne fait pas exception, on joue au golf avec le même enthousiasme quelle que soit la saison. Les joueurs ne sont pas étonnés de rencontrer un couple de marsupiaux sur le parcours. Le Country Club de Canberra est le refuge de plus d'une centaine de kangourous très sympathiques. Tout le monde a entendu parler du fameux Outback, le pays intérieur australien, un mélange exotique de mythes et de folklore. Mais peu nombreux sont ceux qui réalisent à quel point il domine le pays. Il constitue l'essentiel de l'Australie. Outback est synonyme à tout jamais de terrain aride. L'Outback, à l'ouest des Nouvelles-Galles du Sud, est facilement accessible. C'est d'abord un pays de pâturage, avec ses immenses troupeaux de bœufs et de moutons. Bjorborg, non loin de Canberra, est à la fois un centre ovin et un pôle touristique. Les Australiens du pays proposent gentiment des visites à ces curieux qui apprennent tout ce qu'ils veulent savoir sur la vie du domaine et leur permettent d'assister à une petite tonde de moutons. The first thing to take off is the belly wool that's there. Through those hind legs, clean that hind leg, the top knot. Stretch his neck out over my left leg, come up his neck. Clean him around there to the front shoulder. From there, I'll turn him around, come up along his back, and finish down on that hind leg.
Right, save your hand lotion tonight. Here it is. Au sud de Canberra, en direction des Snowy Mountains, le paysage est sec et vallonné. Les chutes de pluie sont rares, si l'on en juge par le lit des rivières telles que la Billylinga Creek et le Numerala River. La région ressemble étrangement aux terres oranges de l'ouest du Colorado. À environ 90 minutes de voiture de Canberra, la ville de Cooma est la porte d'accès aux Snowy Mountains d'Australie. En direction du village de montagne de Threadbow, dans le parc national de Kosciuszko, la route s'élève rapidement. La partie enneigée du massif que l'on appelle ici les Alpes australiennes est la chaîne de montagnes la plus élevée du pays, avec ses sommets qui culminent à plus de 7000 pieds. Au centre du parc national se trouve la station de sport d'hiver de Threadbow. Durant l'été australien, Threadbow est une station tranquille où se tiennent congrès et séminaires. Elle est renommée pour la pêche à la truite et son télésiège vous emmène vers les sommets d'où l'on peut admirer le paysage. En hiver, durant les mois rudes de mai à septembre, les skieurs traversent le pays pour venir descendre les pistes de Threadbow. Les Snowy Mountains sont la seule partie du pays sur laquelle la neige tombe régulièrement. L'eau fraîche et pure des Nouvelles-Galles du Sud provient essentiellement des montagnes neigeuses. L'eau est un souci permanent dans ce pays où il pleut rarement. On compte plus de 16 barrages sur le Murray River, avec des retenues d'eau comme celle de Jimbeya, au sud-est de Cooma. En dépit des eaux de ruissellement qui descendent des montagnes, une grande partie de l'Australie est souvent confrontée à la sécheresse. Au sud-ouest des Snowy Mountains, sur la baie de Port Phillip, s'étend Melbourne, la plus cosmopolitaine des villes australiennes, qui est aussi la capitale de l'État de Victoria. C'est au lieutenant X, membre d'équipage du navire commandé par le capitaine Cook, que l'on attribue la découverte de l'État de Victoria en 1770. Melbourne, métropole animée de près de 3 millions d'habitants, est la deuxième ville d'Australie. Ses habitants sont sympathiques et courageux. Leur attitude est différente de celle qu'on rencontre à Sydney. Ils communiquent plus facilement avec les touristes. Ils ont l'air de dire « prenez-nous comme nous sommes », si bien que l'on se sent vite chez soi. Il y a beaucoup de choses à voir à Melbourne, et en particulier les méandres de la Yarra River et le centre des arts victoriens. Ce bâtiment ne passe pas inaperçu. Sa tour a une forme caractéristique et s'éclaire le soir venu. Le centre des arts abrite le théâtre et la salle de concert. Le National Gallery de Victoria est situé juste à côté. La grande salle abrite des collections de peintures et de sculptures, mais on y présente aussi des représentations de formations de talents comme le Gruta String Quartet. Piétons empruntent l'un des nombreux trams verts et jaunes de St. Kilda Road pour aller au jardin de la reine Victoria et au parc du domaine royal. L'un et l'autre sont parsemés de parterres et de statues. On peut voir aussi une horloge florale originale. Au sud-est du domaine royal se trouve un autre mémorial à la guerre, l'hôtel du souvenir. Les gens d'ici ont deux passe-temps favoris, assister aux manifestations sportives et faire du shopping. Le quartier commerçant, peut-être de ce point de vue le meilleur d'Australie, se développe autour de la rue piétonne Saint-Bourque. La promenade, qui est coupée en deux par le passage du tram, est bordée de boutiques et de grands magasins tels que Mayors, le plus ancien et le plus grand d'Australie. Le Queen Victoria Market est un marché aux puces en plein air qui se remplit de visiteurs le week-end. On y trouve un peu de tout, mais il faut être connaisseur pour faire de bonnes affaires.
En fait, ce qu'il y a de plus intéressant à voir, ce serait plutôt toute cette foule qui vous dérange. Les Australiens tiennent à leur loisir. Ils aiment en particulier assister aux rencontres sportives. On pratique le football australien au Melbourne Cricket Grounds pendant l'automne et l'hiver. C'est un jeu très vif qui se joue sans protection et qui, de ce fait, peut se révéler assez risqué. Apparemment, les parties ressemblent à celles du football américain, mais en tout cas, il semble que les spectateurs australiens adorent ça. Comme dans tous les stades, les supporters pensent qu'il vaut mieux regarder la partie avec une bonne tarte à la viande et quelques canettes de bière australienne à la main. Le public semble un peu plus concentré au Money Valley Race Track. On comprend pourquoi quand on sait qu'il s'agit de joueurs. Les paris sont autorisés dans la majeure partie de l'Australie. Les courses hippiques constituent une distraction très prisée dans la plupart des grandes villes. Mais il y a toute une partie de Melbourne qui est beaucoup plus tranquille. La péninsule Mornington, qui se trouve au sud, est bordée de villages côtiers. On peut prendre un ferry à Phillip Island pour aller observer les pingouins ou admirer en solitaire le coucher de soleil sur Port Phillip Bay, à côté de Chelsea. Par-delà des déserts du sud de l'Australie, sur les côtes de l'océan Indien, se trouve celle qu'on peut considérer comme la perle du continent australien, la ville de Perth. Ce qui pourrait manquer à Perth en matière de musée ou d'histoire est largement compensé par sa beauté et sa gaieté. De King's Park, près de la Swan River, on a une vue magnifique sur la ville qui se détache sur l'horizon, surtout au moment où le crépuscule cède le pas à la pleine lune. La ville, qui compte près d'un million de fanatiques de soleil, est la capitale d'un état en plein essor, l'Australie occidentale. L'Australie occidentale est la plus étendue des états d'Australie. Sa superficie correspond environ à 3,5 fois celle du Texas, aux États-Unis. Perth, la capitale de l'Australie occidentale, est à environ 3700 km de Sydney. On peut aussi dire à 4h30 d'avion. Ça ennuyait un peu les partisans de Perth que leur ville soit la plus éloignée des grandes métropoles du monde. C'est pour ça qu'ils ont décidé de lui donner une réputation internationale en matière de finance, de navigation, d'exploitation minière, d'agriculture, d'architecture et de vignobles. Les vins d'Australie occidentale, de la Swan River à la Margaret River Valley, comptent parmi les meilleurs du monde. Beaucoup d'Australiens viennent goûter les crus du pays à la cave Huckton, à quelques kilomètres au nord-est de Perth. Du fait du climat qui est toujours sec et ensoleillé, les producteurs vous disent avec le sourire qu'ici, il n'y a jamais de mauvaises années. Grâce à une distribution étendue et à la satisfaction de la clientèle, les vins australiens se sont réellement imposés durant les années 80. Une tendance qui va se poursuivre dans les années à venir. Le Cabernet atteindra toute sa plénitude et le Blanc-Bourgogne fera le délice des amateurs. King Park est niché au cœur de la ville de Perth. C'est non seulement de là qu'on a le meilleur point de vue, mais on y trouve trois grandes promenades alignées et des pistes pour les vélos et les joggeurs. Mais le parc est surtout remarquable pour sa végétation sauvage et ses parterres floraux. La fontaine, qui rend hommage aux femmes pionnières d'Australie occidentale, constitue une halte privilégiée dans King's Park. Juste en bas de la colline de King's Park, le Swan River s'ouvre sur une vaste étendue d'eau, où les planches à voile dessinent leurs évolutions. On poursuit avec les sports nautiques plus bas sur la rivière, près du faubourg portuaire de Fremantle. Là, quelques passionnés s'abonne au plaisir un peu dingue du ski nautique tracté par câble. Mais Fremantle est surtout connu pour avoir accueilli l'America Cup en 1987. C'est le plus grand port de mer de l'Australie. On y remarque des bâtiments du 19e siècle qui ont été restaurés. Le Fremantle Art Center.
l'Esplanade, le Roundhouse et le Fremantle Hotel. Le long de l'autoroute de la côte ouest, un peu au nord de Perth, on découvre quelques-unes des plus belles plages d'Australie occidentale. Un paradis pour les sports nautiques, les châteaux de sable, le tourisme et la pêche. Entre Perth et Fremantle, on ne compte pas moins de 19 plages magnifiques de sable blanc. D'aussi belles plages suffiraient sans doute à attirer les touristes du monde entier. Mais l'Australie occidentale leur offre beaucoup plus. Encore aujourd'hui, l'attrait du métal jaune amène de nouveaux prospecteurs pleins d'espoir à Kalgoorlie, le pays de la fabuleuse mine d'or. Un monument est élevé ici en mémoire du prospecteur Paddy Hannon et à son compagnon irlandais Tom Flanagan. C'est Hannon et Flanagan qui ont découvert l'or ici en 1893. Kalgoorlie n'était alors qu'un désert. 9 ans plus tard, la ville comptait 93 hôtels, 9 brasseries et une population de 30 000 habitants. La fièvre de l'or se propageait vite. En dépit de quelques années difficiles et de nombreux mineurs malheureux, Kalgoorlie a préservé sa vocation initiale et maintenu une industrie aurifère. On sait peu que le président américain Herbert Hoover a travaillé durant 7 ans à Kalgoorlie, au début de sa carrière en tant qu'ingénieur. Sa maison, surnommée la Maison Blanche, existe toujours. Aujourd'hui, Kalgoorlie, qui est située environ à 500 km à l'est de Perth, est une ville prospère qui retrouve une nouvelle vie. Bien que la majeure partie du pays soit la propriété de grandes sociétés, les visiteurs peuvent encore se louer un détecteur de métaux et faire un peu de prospection pour leur propre compte. Le Golden Mile a déjà produit 40 millions d'onces d'or et en contient, paraît-il, encore beaucoup plus. Une bonne nouvelle pour un pays qui ne demande rien d'autre que de survivre. Il y a encore de belles découvertes de filons ces dernières années et la Golden Mile produit aujourd'hui environ 1 tonne d'or par semaine. Il pleut moins de 270 mm par an. L'eau a toujours été le grand problème ici, jusqu'à ce que l'on trouve une solution ingénieuse. Depuis 1903, on pompe l'eau dans le Darling Range, près de Perth, et on l'amène ici par un pipeline de 500 km. On appelle cette trouvaille que l'on doit à l'ingénieur O'Connor la combine eau des champs d'or. Avant l'essor de Kalgoorlie, c'est Coolgardie, à environ 35 km à l'ouest, qui a été le premier Eldorado. Mais le filon s'est vite tari. Ce n'est qu'en 1984, presque 100 ans plus tard, que Coolgardie a retrouvé son second souffle. Aujourd'hui, Coolgardie est l'une des attractions les plus originales de l'Australie occidentale. Le village, qui en nombre d'habitants se classait juste derrière Perth, a restauré avec bonheur quelques constructions de cette époque passée. Si les rues sont exceptionnellement larges, c'est que le chameau était à l'époque le moyen de locomotion le plus courant. Et comme les chameaux ne savent pas reculer, il fallait pouvoir disposer d'un grand rayon de braquage. L'impression d'être dans une ville fantôme est encore très présente à Coolgardie. Façade en ruine, puits de mine d'or abandonnée. Cette région d'extraction du minerai jaune souffre particulièrement de la chaleur torride de l'Outback durant la majeure partie de l'année. Les mineurs cherchent les températures plus fraîches les mois d'hiver, de juillet à août. C'est encore l'Outback, entre les terres aurifères d'Australie occidentale et le fameux monolithe Ayers Rock, dans le grand territoire du Nord. Les premiers habitants de la région d'Ayers Rock ont été les aborigènes. Leur présence dans cette partie de l'Australie remonte à plus de 30 000 ans et ce territoire leur appartient toujours aujourd'hui. Les tribus aborigènes de ce territoire appartiennent toutes à la tribu Ananga. Leurs croyances sont étroitement liées à la terre et à la formation des rochers, les rocks. L'essentiel de leur histoire est sculpté et peinte sur les parois rocheuses d'Ayers Rock. Les aborigènes appellent cette grande masse de pierre rouge Uluru. C'est William Gosse qui, en 1873, a été le premier Européen à découvrir le roc.
Il doit son nom à Sir Henry Ayres, qui était le premier ministre australien à l'époque. Le roc est spectaculaire. Il s'élève avec force sur un terrain plat. Il fait environ 340 mètres de haut, 2 km de large et 3 km de long. On peut escalader le roc en suivant un chemin très abrupt. Mais une grande partie du roc et de ses environs reste la terre sacrée des aborigènes qui vivent là, inaccessible aux visiteurs. Ayers Rock est particulièrement beau au soleil couchant, quand le jour qui tombe auréole sa falaise ouest d'une lumière rouge toute particulière. C'est aussi le moment privilégié pour observer la découpe des Olgas, un autre groupe de monolithes situé plus à l'ouest. Sont connus par les aborigènes sous le nom de Katajuta, ce qui veut dire dans leur langue plusieurs têtes. S'ils sont moins connus que Ayers Rock, ils sont tout aussi spectaculaires. Les Olgas sont à environ 30 km à l'ouest d'Ayers Rock. On peut aller d'un site à l'autre par un chemin de terre. Les Olgas sont formés d'une chaîne de 36 proéminences rocheuses dominées par le mont Olga qui atteint la hauteur de 540 mètres. Autour d'Ayers Rock et des Olgas, des centaines de kilomètres d'une terre plate et aride. Si les hivers sont doux et agréables, la température en été atteint parfois les 55 degrés. La température des surfaces monte parfois à 70 degrés. Du fait de la chaleur, la vie sauvage est essentiellement nocturne. Et encore très récemment, seuls les aborigènes parvenaient à s'acclimater aux conditions du désert. La visite de l'Australie serait incomplète sans une étape dans les endroits très fréquentés du bord de mer, près de la Grande Barrière de Corail, dans l'état ensoleillé de Queensland. La Barrière de Corail est un enchevêtrement continu d'accumulations de coraux et d'îles. Elle s'étend sur des centaines de kilomètres le long de la côte nord. C'est un endroit privilégié pour admirer les paysages et les merveilles aquatiques. Capitale de Queensland et Brisbane, qui a accueilli en 1988 l'exposition universelle. Brisbane est une cité moderne, plutôt conservatrice, et qui compte plus d'un million d'habitants. La ville est baignée par le Brisbane River, et de là, on est à environ 20 minutes de voiture du Pacifique. Comme dans la plupart du Queensland, le climat ici est semi-tropical. La végétation est luxuriante, et il y a abondance de fleurs sauvages. Une des choses qu'il faut aller voir à Brisbane, c'est le Lone Pine Koala Sanctuary. Le koala était en danger d'extinction à cause de la raréfaction de sa nourriture. Les réserves sont devenues essentielles pour sa survie. Le koala se nourrit de feuilles d'eucalyptus qui lui apportent à la fois la nourriture et l'eau. Bien que l'Australie compte plus de 500 espèces d'eucalyptus, il n'y en a que quelques-unes qui conviennent au koala. Les forestiers et les promoteurs sont désormais attentifs à protéger ces espèces-là. Les koalas sont des marsupiaux et non des ours, comme leur surnom l'indiquerait.
Comme le kangourou, les koalas portent leurs petits dans une poche jusqu'à l'âge de 6 mois. C'est l'âge auquel ils prennent leur autonomie. Les koalas mènent une vie nomade, allant d'arbre en arbre, à la recherche de nourriture. Ils ont des pattes exceptionnellement puissantes, mais descendent rarement de leur arbre. Ils ne s'en servent que pour passer d'un arbre à l'autre. Lone Pine a été la première réserve d'Australie. Elle date de 1927. Aujourd'hui, elle attire des visiteurs du monde entier qui viennent admirer de près les koalas, les kangourous, les wallabies et les émeus. Les oiseaux australiens et leur parure multicolore sont tout aussi fascinants. Ce sont des loriquets, des perroquets ou des oiseaux d'amour. On peut observer la plupart d'entre eux dans la réserve d'Olsen, au sud de Brisbane. Brisbane est la porte du Queensland. Elle est située entre deux des plages les plus importantes du pays. Pour atteindre la côte du soleil brillant, il faut environ une heure, avec sans doute quelques bouchons à la clé. C'est une région d'Australie très boisée. Le paysage est animé d'un grand nombre de pics rocheux, les Glasshouse Mountains. Une promenade dans les Glasshouse Mountains apporte au touriste un bain de verdure et lui propose une foule de paysages magnifiques. C'est un endroit idéal pour la randonnée et les pique-niques. Les Glasshouse Mountains ont une agriculture florissante et on ne compte plus les fermes d'ananas situées dans les vallées. C'est aussi une région propice à la culture de quelques fruits australiens bizarres, comme les fruits de la passion, un nom qu'ils doivent à leur couleur et à leur goût. On les sert habituellement au petit déjeuner et en cocktail. Ce sont les graines du fruit qui sont comestibles. À quelques kilomètres à l'est des Glasshouse Mountains se trouvent les plages de la côte du Soleil Brillant. Kalundra, Mululaba, Makula et Maroochydore. La côte du Soleil Brillant a la réputation d'être moins développée et plus calme que la côte dorée. La planche à voile et le bateau y sont très pratiqués. C'est un lieu de prédilection pour le bronzage, la natation et le far niente. La région balnéaire la plus renommée de toute l'Australie est la côte dorée. Elle se trouve à une heure de voiture au sud de Brisbane et se vante de 50 km de plages ininterrompues. La Gold Coast est la destination de prédilection des Australiens. On peut dire que c'est un mélange de Lauderdale, Miami, Daytona Beach et Hawaï. Queensland n'a probablement plus rien à leur envier depuis que la Côte Dorée a des petites plages au nom de Palm Beach et Miami. Ici, on pratique tellement le surf que la plage la plus importante de la Côte Dorée s'appelle Surfer's Paradise. La Côte Dorée est aussi l'un des coins les plus privilégiés d'Australie en matière d'animation nocturne. L'endroit compte beaucoup d'hôtels de standing, de boîtes de nuit et de restaurants. Dans le casino Jupiter, l'un des deux casinos de Queensland qui soit de classe internationale, toutes les formes de jeux sont autorisées. La nuit, on joue ici au blackjack, à la roulette, au keno et à un jeu typiquement australien, le two-up. L'Australie est vraiment un paradis et l'on n'a pas fini de découvrir les secrets de ce pays aux antipodes. Avec ses habitants sympathiques, ses paysages multiples, son soleil permanent, ses températures agréables et quelques-unes des plus belles plages du monde, l'Australie a vraiment tout pour nous éblouir. À Jindabyne, de la Swan River aux Olga, des Glasshouse Mountains à Burbank, de Chelsea à Katoomba. Nous espérons que vous avez aimé cette visite de l'Australie, le fabuleux pays aux antipodes.